Je vous propose maintenant de retrouver une Palaisienne que nous aimons tous beaucoup, qui est au Théâtre de la Passerelle comme dans de nombreux théâtres, un peu comme chez elle. C'est une artiste qui incarne un humanisme profond, toujours en mouvement. J'accueille avec beaucoup de joie Frédéric Lazzarini. Bienvenue Frédéric. Merci. C'est une vraie joie de partager ce moment avec vous. Vous êtes une des grandes personnalités du monde artistique palaisien. Votre nom est notamment associé au Théâtre de la Mare au Diable, à la compagnie Minuit 01. Comment avez-vous vécu cette année 2020 qui a fortement impacté le monde de la culture? Écoutez, il y avait un cauchemar absolu pour les artistes de théâtre. C'était le fameux trou de texte en scène pendant la représentation. Et en parlant avec des camarades, ils m'ont dit « Écoute, maintenant, il y a un cauchemar beaucoup plus prégnant, c'est celui de la fermeture des théâtres et l'impossibilité pour nous d'exercer notre profession depuis des mois et bientôt depuis une année quand même. » Voilà, alors déjà, pour le théâtre de la Mare au Diable, c'est devenu mon bel endormi. Au moment du premier confinement, nous venions de créer un nouveau spectacle, la fameuse cagnotte de la biche. Et donc, en plus des techniciens professionnels, des artistes professionnels, il y avait 17 comédiens amateurs, 17 comédiens citoyens qui, en plus de leur métier, de leur profession, de leur obligation familiale, ils s'étaient investis comme ça considérablement dans des répétitions pendant des semaines. Nous, on avait investi dans la construction d'un décor, de costumes, de bande-son, de création lumière. Et puis, il a fallu tout arrêter brutalement. C'était un peu une impression comme si le spectacle avait été abattu en plein vol. Et puis, alors, pour la compagnie Minuit 01, qui impulse, je le rappelle, depuis de nombreuses années maintenant, une action culturelle et dont les créations comme Qui a peur de Virginia Woolf avait été joué ici, sont joués donc à Palaiseau. Et puis, on a la chance de rayonner dans toute la France grâce à des tournées et dans des théâtres parisiens. Ben, je venais de monter La Mégère apprivoisée de Shakespeare avec en alternance Sarah Biasini dans le rôle titre et Delphine Depardieu. On rencontrait un grand succès, ce n'est pas toujours le cas avec un spectacle, mais là, on vendait les strapontins le week-end, la presse était unanime. Et puis, brutalement, il a fallu arrêter. Donc, c'était extrêmement violent. Et puis, il y a eu le mois d'octobre, où là, on a repris confiance. On nous a dit, voilà, vous pouvez rouvrir les théâtres. Alors, on a adapté, évidemment, les horaires des représentations aux exigences du couvre-feu. On a changé la mise en scène à la dernière minute, on a supprimé tous les baisers du spectacle pour préserver les acteurs, les étreintes. Donc c'était un spectacle plus chaste, enfin, toujours intéressant, mais plus chaste. On a respecté à la lettre, ça nous tenait très à cœur, le protocole sanitaire. On a investi dans les plexiglas, les produits, etc. Et puis, là encore, il a fallu arrêter brutalement. Alors, passé l'état de choc, le chagrin quand même, hein, la frustration, bon, ben on s'est remis en selle et puis on s'est dit qu'il faut être à nouveau inventif, il faut être créatif. Alors, sur le site de La Mare au Diable, par exemple, on a proposé des lectures sur des thèmes littéraires différents. On a proposé un spectacle en direct, en visio, Zoom, une création. L'acteur Robert Plagnol jouait depuis son appartement à Boulogne à l'heure des représentations. Et là, on va bientôt sortir une série sur Shakespeare, une galerie d'interviews d'artistes de théâtre complémentaires pour parler de leur rapport comme ça formidable, passionné à l'immense auteur qu'est Shakespeare. Voilà, donc il fallait rester quand même positif. Je remercie la ville d'ailleurs d'avoir maintenu sa subvention d'aide au fonctionnement alors que le théâtre est dans une totale inactivité. Voilà, ça c'était essentiel, c'était vital. Donc il faut rester positif. On voit qu'un artiste est fait pour partager des moments de communion avec son public. Et Frédéric, je crois que vous avez montré de quelle manière vous avez réussi à vivre cette année et à trouver d'autres manières de vivre, peut-être moins pleinement que d'habitude, votre passion, votre métier. Oui, alors, ce qui est très émouvant, c'est que bon, la relation au public, elle est vitale hein, pour nous, elle est essentielle, elle est fondamentale. Et là, de façon très émouvante et très forte, la relation avec le public a été maintenue en dehors du cadre de la représentation.
Notre public s'est manifesté. Il nous a écrit de nombreuses lettres, de nombreux mails. Et ces lettres disaient, voilà, tenez bon, on est avec vous. Alors, on avait pris des places pour venir voir le spectacle. Les théâtres sont fermés. Mais surtout, on ne veut pas être remboursé. C'est une façon de vous exprimer notre soutien, notre bienveillance, notre amitié. Et d'autres mails disaient encore, on ne sait pas si le spectacle va être repris, mais s'il est repris, nous, on l'a déjà vu, mais on reviendra, parce que d'abord, on l'a beaucoup aimé, mais en plus, on fera venir toute la famille par solidarité. Donc, c'est extrêmement émouvant, quoi. C'est du baume au cœur. Sont arrivées aussi des subventions, des dons du public. Enfin, ils nous ont envoyé des petites cartes avec des chèques. Enfin, c'était très, très bouleversant, très, très inattendu. Voilà, et je voulais évoquer aussi un moment très fort, c'est qu'au moment du fameux stop and go, où on avait rouvert les théâtres et puis on croyait que c'était bon, qu'on allait pouvoir jouer. Finalement, on n'a joué que 4 fois. Et à la fin de la 4e représentation, les 70 personnes qui étaient venues, qui étaient dans la salle, se sont levées. Et au moment du salut, ils ont applaudi, ils ont rendu hommage aux acteurs. On sentait qu'ils comprenaient la souffrance, comment c'était difficile de renoncer pendant des mois à la scène et à leur rôle et au spectacle. Donc ça, c'est un moment dont je me souviendrai toujours. Qui devait être effectivement très, très, très poignant. Alors, pour conclure, Frédéric, que peut-on vous souhaiter à vous et à l'ensemble de La Mare au Diable et de Minuit 01 pour 2021 ? Bon, bien sûr, on souhaite de tout notre cœur que la situation soit assainie le plus rapidement possible, que les théâtres et les cinémas et les lieux culturels rouvrent. Maintenant, la grande question, l'inconnu, c'est est-ce que le public va avoir envie, dès que les théâtres vont rouvrir, de revenir au théâtre ? Est-ce qu'ils seront dans cet état de désir, de curiosité culturelle ? Est-ce qu'on va savoir leur redonner confiance ? Voilà, ça c'est important. Et puis, en tout cas, nous tenons prêts et on est en train de répéter. Et donc, le 7 mai, on viendra présenter dans ce théâtre de la Passerelle que nous aimons tant notre nouvelle création, Ruy Blas dans ta face, qui parle de la difficulté pour les élèves maintenant de lire des œuvres littéraires. Donc, c'est l'histoire d'une prof qui est passionnée par la littérature et de son élève qui lui refuse d'ouvrir un livre. Voilà. Donc, on viendra jouer. Ce spectacle est soutenu par la ville et j'espère vraiment que la vie va reprendre normalement. On sera là. Je pense, Frédéric, que nous partageons ce même espoir pour 2021, que ce soit une année plus douce, plus clémente, que les mois qui viennent nous permettent de retrouver un peu d'espoir, de sérénité, de public au théâtre de la Passerelle, au théâtre de la Mare au Diable, de la MJC et du Cinépal, bien sûr. Pour qui j'ai une pensée particulière, notamment Gérard Lemoine qui, avec son équipe, traverse lui aussi une période très difficile. Oui. Merci encore d'avoir accepté de prendre ce temps avec nous, cher Frédéric. Merci beaucoup.